Révision de maternelle français. Texte. Nous sommes une famille. Salut, moi, c'est Anis. Ma famille est composée de mon père, papa, Salim, ma maman, Nadia, ma sœur, Manel, et mon petit frère, Karim. Question. Recopiez la bonne réponse. Salim, Nadia, Manel, Karim, Anis. Donc, ce texte, c'est qui parle? Qui parle ici dans le texte? C'est Anis. Je relis qui va ensemble. Papa, ma sœur, maman, mon petit frère, Karim, Nadia, Manel, Salim. Papa, Salim, ma sœur, Manel, maman, Nadia, mon petit frère, Karim. Je remplace le mot souligné par il ou elle. Maman s'appelle Nadia, maman féminin singulier, elle. Papa s'appelle Salim, masculin singulier, il. Je complète par un ou une. Frère, un frère masculin singulier et sœur, une sœur féminin singulier. J'écris au pluriel une famille, des familles à la fin, S. Je complète par poubelle, fille, garçon, papier. Anis est un garçon poli. Manel est une fille propre. Elle jette le poubelle, le papier dans le poubelle, dans la poubelle. Il pleut, Batoul porte des bottes roses, elle a un petit parapluie, elle attend le bus avec son papa. Question. Entoure la bonne réponse. Batoul porte un bonnet, des bottes, des gants. Porte des bottes. Batoul a poupée, panier, un parapluie, a un petit parapluie. Batoul attend le bus, le vélo, papa, le bus. Observe bien l'image, puis souligne ce que porte Batoul. Batoul porte robe, non, jupe, oui, pull, oui, bonnet, non, tablier, non, bottes. Oui. Complète avec O, ou, une, paume, O. Une, toupie, O-U. Mounir, O-U. La tortue, O. Oncle Salim décide de visiter le zoo, alors Zénab l'accompagne. Au zoo, elle a vu beaucoup d'animaux comme le zèbre, le chameau et le singe. Entoure la bonne réponse. Zénab est allée au zoo à l'école. Au zoo. Écris les noms des animaux que Zénab a vus. Zénab a vu le zèbre. Le chameau, le singe. Complète les mots par les syllabes sa, sous, zé.
Un zèbre. Une souris. Une salle reliée par une flèche. Une vache. Un hérisson. Une poule. Un lézard. Écris en cursive la phrase suivante. On va écrire une autre fois. On va écrire une autre fois la phrase suivante. De Karima. Karima a 4 ans. Aujourd'hui, elle fête son anniversaire. Son père lui offre une petite guitare. Le cadeau de son frère est un petit camion en couleur. Karima habite à Cuba. Je recopie le titre du texte. Le titre, c'est l'anniversaire de Karima. Je souligne la bonne réponse. Le cadeau de son frère est un vélo, un camion, un bateau, un petit camion. Je complète par un mot du texte. Karima habite à Cuba. J'entoure la bonne réponse. Karima a 4, 5, 6 ans, à 4 ans. J'observe, je complète. Le camion, les camions. Donc, c'est au pluriel. La guitare, les guitares. Je complète par K, voix, mot, V. Un vélo. Un camion. Une moto. Une voiture. J'écris en cursive, papa lui offre une petite guitare. Samy adore les animaux sauvages. Son père prend la voiture pour l'emmener au zoo, car il veut voir le zèbre, la gazelle, le singe, la girafe et surtout l'ours. Combien y a-t-il de phrases dans le texte? Dans le texte, il y a une phrase, deux phrases. Jusqu'à quoi? Il y a deux phrases. Réponds pas vrai ou faux. Samy adore les animaux sauvages. Adore les animaux sauvages. Vrai. Samy va au stade, va au zoo. Donc, c'est faux. Relève du texte un nom propre. Nom propre, c'est Samy. Le synonyme de auto, c'est voiture. Remets en ordre les mots suivants pour former une phrase. Roule, papa, voiture, en, papa, roule, en, voiture. Remplace le mot souligné par il ou elle. La gazelle est un animal sauvage. Elle est un animal sauvage. Classe les mots dans le tableau. Poisson, rose, ours, valise. Je vois le S. Je le lis. S comme poisson et ours. Je vois S. Je lise. Rose, valise. Au revoir.